Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer le regard des autres, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Il fut méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne les regards. Nous n'avons fait de lui aucun cas, cependant il a porté nos souffrances, il s'est chargé de nos douleurs. Nous l'avons considéré comme puni de Dieu. Il fut blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui donne la par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il fut frappé par l'Éternel pour l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, opprimé, mais il n'a pas ouvert la bouche. Semblable à l'agneau qu'on emmène à la mort, brebis muette devant ceux qui l'attendent, il a été élevé par l'angoisse et par le châtiment, on le plaça parmi les riches, les hommes méchants. Lui qui n'avait commis aucune violence, le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris.